que t'en penses? C'est encore plus spectaculaire que la première partie. Peut-être 2-3 heures qu'on marche, là. On est déjà passé par une multitude de météos différentes. Donc là, je me suis installé derrière un caillou et normalement, il devrait arriver pile en face. Quand on évoque l'Islande, on a tout de suite des images de glace, de froid et de blanc qui nous viennent en tête. Pourtant, en été, l'Islande dévoile d'autres tableaux. Le noir des roches volcaniques est toujours là, mais le blanc a laissé place aux couleurs plus chaudes, et la nuit, elle, a laissé place à la lumière caractéristique des régions arctiques en cette saison. C'est la période magique du soleil de minuit. Nous avons un but précis, partir à la rencontre d'un animal particulier, le renard polaire islandais. Et pour ça, il nous faut rejoindre la zone la plus sauvage de l'île, dans les territoires des fjords de l'Ouest. Ça y est, on est enfin arrivé au bout des 6, 7, 8 heures de route, je sais même pas combien on a fait, bon on s'est arrêté beaucoup aussi. Et là on est sur le point de prendre le bateau qui est juste derrière moi, qui va nous emmener sur la péninsule de Hornstrandir. J'ai réussi à le dire, on embarque sur le bateau. En Islande, le renard polaire est toujours chassé. Et pour ça, la réserve naturelle d'Hornstrandir est un endroit particulièrement propice à l'observation du renard car c'est le seul endroit où il est protégé. Sur le bateau, nous faisons connaissance avec Jonas. Il connaît tous les recoins de la réserve et c'est lui qui nous guidera jusqu'au camp de base. Je vous présente également Jonathan, photographe, très bon ornitho, c'est avec lui qu'on a imaginé ce voyage. Il organise des voyages photo éthiques, c'est-à-dire pas de technique pour attirer les animaux, de nourrissage, d'appôt, respecter au maximum la quiétude des animaux, telle est la devise de l'agence qu'il a créée, Salva Fauna. Pendant les 2 heures qu'a duré la traversée, une surprise a surgi des eaux. Comme un cadeau de bienvenue sur le chemin, 2 baleines à bosse sont apparues. Genre de cas, t'as une combi étanche, tu vois. Même sans combi, là, t'as envie de sauter à l'eau. Hein. Oh, ça fait envie, ça. C'est magnifique. Ça y est, on arrive à l'instant sur la presqu'île. On nous a déposé avec le Zodiac. Nous sommes seuls au monde. Maintenant, on va entreprendre une petite marche de quelques heures, 5 heures, je crois, 5-6 heures, pour rejoindre un camp de base dans lequel on va passer les jours suivants. Et ensuite, à partir de là, on rayonnera un peu autour pour aller à la rencontre des trésors de cette réserve naturelle. C'est parti! Thank you.
Bon, ça doit faire peut-être 2-3 heures qu'on marche là. Et on est déjà passé par une multitude de météos différentes. En tout cas, c'est ultra beau. C'est quasi lunaire. Derrière moi, il y a le fjord par lequel on est arrivé. C'est hyper beau. On a bientôt atteint la crête. Et une fois qu'on aura atteint tout là-haut, on sera plus ou moins au sommet de la première montée. Et ensuite, on n'aura plus qu'à redescendre en direction du camp. We're getting there. We have the last, what would I say, 250 meters, and then we arrive at camp. Yes. Yeah. Good job, everybody. Après à peu près 6 heures de marche, nous voilà arrivés à notre campement, le campement qu'on va utiliser pendant les 5 prochains jours ou 6 prochains jours pour pouvoir dormir en plein milieu de cette réserve et pour pouvoir partir à la recherche du renard polaire et des autres oiseaux qui peuplent cette presqu'île. Nous voici donc enfin arrivés sur le territoire du renard polaire. Notre terrain d'exploration sera principalement composé de côtes, de falaises et de grands plateaux verdoyants. Comme je vous le disais, la péninsule d'Ansrandir est une réserve naturelle de 580 km² et contrairement au reste de l'Islande, ici, le renard polaire est strictement protégé. La population y est donc plus importante qu'ailleurs. On compte environ 150 tanières pour 50 territoires de reproduction. Le renard polaire islandais, appelé aussi Melraki, est le seul mammifère sauvage natif de l'île avec la souris des bois très peu répandue. Il pèse environ 3 kg et est à peine plus grand qu'un chat. En revanche, c'est l'animal qui possède une des fourrures les plus denses. C'est ce qui lui permet de survivre aux hivers arctiques et aux températures extrêmes pouvant atteindre moins 40 degrés. Ce qui le différencie des autres renards polaires du continent, c'est entre autres qu'il appartient en majorité, environ à 80% des individus, à la phase bleue. C'est-à-dire qu'il ne devient pas blanc comme l'immense majorité des renards polaires présents dans le reste des régions arctiques, il reste de couleur brune, car n'ayant pas la possibilité de se nourrir de petits mammifères comme par exemple les lemmings, leur régime alimentaire est principalement issu de la mer. Ce sont donc des renards côtiers. Et l'Islande étant une terre volcanique, les côtes sont souvent foncées, ce qui rend la couleur brune parfaitement adaptée à cet environnement. Mais avant de partir à sa recherche, allons jeter un œil à l'autre trésor des falaises islandaises, les oiseaux marins. En cette période, ces oiseaux nichent dans les falaises. Mais pour pouvoir les observer, il nous faut grimper un peu. Et c'est pas John qui dira le contraire, le jeu en vaut la chandelle. Ouf, oh là là, non, c'est pas possible. C'est encore plus spectaculaire que la première partie. C'est cool que la brume ne soit pas trop arrivée, ça reste bien dégagé là. Ça vaut la peine de monter là. Ça vaut toujours la peine de monter.
Donc dans ces falaises derrière moi, nichent des fulmars boréales comme celui-ci. C'est un oiseau qui vit essentiellement en mer, mais qui vient se reproduire dans ces falaises. Évidemment, d'autres espèces typiques de ces milieux qui ne touchent terre eux aussi que pour la reproduction nichent ici. Et parmi elles, une espèce plutôt bavarde, les guillemots. Ils peuvent se retrouver à plusieurs dizaines d'individus sur un seul mètre carré de falaise. On retrouve aussi le magnifique pingouin torda et la star des falaises islandaises, le macareux moine. Avec son petit air de clown triste, les macareux ne laissent personne indifférent. Ils sont peu farouches et ils nous offrent un spectacle dont on ne se lasse jamais. Soudain, comme pour nous rappeler qu'il est bientôt l'heure de redescendre, un renard traverse le paysage dans la lumière rasante du soir. Le lendemain, un temps beaucoup plus nordique est arrivé. L'occasion d'aller traîner ses bottes sur les roches humides de la côte. Ok, je vous prends vite fait. Là, j'étais en train de marcher le long de la côte, sur les cailloux, et j'ai vu un phoque et tout, c'était cool. Et à un moment donné, en contrebas, j'ai vu un renard qui cherchait dans les cailloux. Du coup, je suis vite remonté sur le plateau en haut. J'ai couru dans l'autre sens, j'ai remonté chemin pour essayer de me mettre et de me mettre sur sa trajectoire. Donc là, je me suis installé derrière un caillou et on va essayer de l'attendre. Et normalement, il devrait arriver pile en face. On croise les doigts. Si j'ai décidé de tenter ma chance le long des côtes à ce moment-là, c'est précisément parce que c'est sur les côtes à marée basse qu'on a le plus de chances de croiser le renard polaire. Il profite que l'océan se soit retiré pour fouiller les cailloux à la recherche de nourriture. Ok. Il est encore loin. Il est encore loin, mais il arrive. Ça a l'air de fonctionner. Il prend beaucoup de temps parce qu'il cherche. Et dès qu'il trouve quelque chose à manger, il reste un petit moment dessus. Du coup, là, ça fait un petit moment que j'attends, mais là, il est en train d'arriver, je le vois tout au loin, sur la ligne de crête, là.
Quand on parlait de sa couleur foncée, adaptée à cet environnement, je crois que là, c'est sans équivoque. Il est passé à, franchement, 4 mètres de moi. J'arrivais même plus à faire le point. Oh, trop bien! Je vais essayer d'aller voir le reste de carcasse qu'il était en train de manger. Ça doit être par là, normalement. Ah ouais, c'est là. Putain, comment ça glisse les algues! Ah ouais. C'est ce qu'il était en train de manger. Donc en fait, il parcourt tout le long de la côte à la recherche de, justement, de carcasses, de crustacés, de toutes les choses en fait qui peut dénicher quand la marée est basse. C'est un poisson. Ah putain, erreur. Pouah. Pas du tout chez ce truc. Avec nous, il y a aussi Anne Sowat. Elle n'est pas photographe, mais biologiste et docteur en écologie. Elle fait aussi un très gros travail de vulgarisation scientifique sur Instagram. Donc si vous voulez apprendre des choses insolites sur les animaux, je vous conseille vivement de la suivre sur son compte. Là, le brouillard s'est levé et ça donne une ambiance incroyable. En plus, ça... Oh, j'ai flippé, j'ai cru qu'il y avait un renard déjà. Donc du coup, on se balade un peu sur la plage avec Anso. Et en espérant voir les renards passer, parce qu'en plus de ça, c'est marée basse. Donc en fait, tous les éléments sont réunis pour pouvoir faire une rencontre assez exceptionnelle. Donc avec Anso, on se balade un peu, je pense qu'on va se planter dans un endroit où on voit de façon assez générale la plage et la côte. Et puis avec ça, ben, on va attendre, on va croiser les doigts. En tout cas, c'est magnifique. Depuis notre arrivée, je n'avais qu'une séquence en tête. Filmer un renard qui court sur ce sable volcanique noir si caractéristique. J'avais déjà essayé auparavant en arpentant les dunes, mais sans succès. Ce soir-là, c'était ma dernière chance. La lumière baissait au fur et à mesure que le brouillard s'épaississait. Il était déjà 23h et toujours rien. Une teinte bleue rend l'ambiance particulièrement étrange. C'est à 1h12 précisément, au loin, dans cette ambiance irréelle, qu'une silhouette est apparue. Bouge pas. À ce moment-là, je priais pour qu'il court dans ma direction. Malheureusement, il disparut dans la végétation. Mais je le sais pertinemment, la nature nous réserve toujours des surprises. Et au moment où je me disais que c'était fini, il réapparaît et m'offre la séquence que j'attendais.
Environ 5 mètres, il y a un renard qui s'est endormi. Il est hyper tranquille et il dort profondément. Quand les renards sont pas chassés, c'est fou la confiance qu'ils peuvent avoir. Et dire que ce serait possible d'avoir ça chez nous, d'avoir une telle proximité avec des animaux absolument pas stressés. Ça fait plus d'une heure qu'il est là, tranquille. De temps en temps, il se réveille et ensuite il se recouche. Il sait très bien que je suis là. Mais il s'en fout. Il s'en tape. Et voilà, c'est déjà la fin de cette aventure et de cette vidéo. Bon, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous mettre un petit diaporama avec les photos que j'ai faites pendant ce voyage. Pas toutes évidemment parce qu'il y en a eu plein. Sinon, ben comment dire, c'était incroyable. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici déjà. Merci à mes camarades d'aventure. Merci à Salvafauna. Salvafauna qui, je vous rappelle, organise des voyages photos. Donc si ça vous intéresse, allez en description. Il y a toutes les infos. Évidemment, c'est pas réservé seulement à des photographes animaliers, même avertis ou experts. C'est aussi ouvert aux débutants ou juste aux personnes qui aimeraient observer cette faune. Donc n'hésitez pas, si jamais vous débutez aussi, on est là pour vous encadrer, pour vous aider à progresser aussi, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à aller faire un saut. En plus, vous avez un code promo, si vous mettez le code FAB, vous avez une réduction, donc c'est plutôt cool. Voilà pour la partie un peu info. Je vais vous laisser avec les photos et je crois que j'ai rien oublié. Quoi que en soit, si j'ai oublié quelque chose, je vous mets tout en description, donc vraiment allez y faire un saut. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.